Comment ça, je viens d'où? Bah, tu viens d'où? T'es de la police, toi? Un keuf. Ah, t'es pas un baqueux, toi? Rassure-moi, parce que là, j'ai l'impression que je suis un peu pisté. Bref. Ah, je suis désolé, je suis parano, c'est le shit. Bah, non, je te demande juste d'où tu viens, parce que, genre, c'est le principe, quoi. Bah, moi, t'as vu, je viens de la Guy de base. Après, mes parents, ils ont déménagé. Putain, la musique! Casse les couilles, frère! J'adore cette musique, c'est, je suis désolé, c'est les émotions. Et ouais, du coup, ouais, je disais, non, tu me donnes pas. On dirait pas le véhicule qu'il a pris parce qu'il s'est fait plaisir là. Hein? Toi, c'était l'agent de 600 euros, je te raconte. T'as même pas vu la voiture, ils sont déjà les dégâts. Ah ouais? Tu peux pas vu la voiture? Ouais, t'as pas regardé. J'ai d'arriver. Ah ouais? Attends. C'est quelle voiture toi? C'est celle-là? C'est ça. Mais y'a pas de dégâts? Non, y'a rien. Ouais, mais t'as pas mis le plan. Le plan, tu l'as pas mis. Ouais, j'ai pas regardé ça. J'ai pas mis le litre, il a 2,12, tu vois, pour 80 litres, tu vois déjà. Tu vois déjà, c'est presque une jambe. Ouais. Ensuite, il m'a dit, t'avais fait 300 km au lieu de 200. Nous, on facture 15 euros le kilomètre en plus. Ouais, je m'en fais attention à ça. Frère, les Polonais sont sévères, papa. C'est pas nous qui nous en fait capter. Donc 15 fois 100. 1500 euros juste en kilométrage. Tu vois, t'es bête. Tu vois, au final, je me rattrape, tu vois, avec ça, là. Donc, ça fait 1600... Ouais, c'est tout, là. Ouais, ça fait 1600... Ouais, après, en vrai, dans l'âge, j'ai gardé ta caution, en vrai. C'est bon. Ah ouais, comment ça? Bah, tu t'as dépassé le kilométrage. Ok, t'as pas gagné la jante. Bon, faut que je me rattrape sur le kilométrage. Ouais, après, c'est notifié sur le contrat, ça. Bah, c'est toi, t'as dépassé le kilométrage. Tu vois? Ah ouais, c'est vrai. T'as capté? Vas-y, mon ref. Vas-y, vas-y, mon frère, vas-y. Prochaine. On se fait péter avec un joint, pas d'accident, rien du tout, pas d'accident, rien, Walid. Un joint au volant, on voit Habs tout de suite. Je t'ai même pas dit alcool, hein, pour pas, t'as compris. Un ouinge au volant, Habs tout de suite. Regarde-moi ces fils de pute, là, en vrai, voilà, c'est trop, je... Tout ce que je sais, vous allez croire que c'est toujours les mêmes discours, mais voilà, le conducteur se serait appelé Rachid Heps. Là, il sera en mandat de dépôt, là. Voilà. Et vous savez très bien que c'est vrai. En fait, les gars, la justice française, c'est la seule justice, des fois, ils essaient de trouver des excuses, en fait, à des criminels ou des... Voilà. Et des fois, il y a un mec qui va donner quelqu'un, ils vont dire, ouais, mais... psychologiquement, ça, faut qu'il aille en hôpital psychiatrique parce qu'en fait il était pas en état, il avait pas tout. Mais qu'est-ce qu'on sent pas les coups de sa vie? Là, Pierre Palmade, il commence à dire ouais, mais il a une addiction et il est... On sent pas les couilles de leur vie en fait. On s'en bat les couilles. C'est en fait ces gens-là, c'est bref. Ensuite, on discute. Oui, psychiatrique, addiction, il y a pas de souci. D'abord, bref. Non, eux non. Ah, bref, peut-être. Ouais, lui, il est malade, lui. Il est malade, il va pas bien dans sa tête. Le Hebs, c'est pas pour lui, le Hebs, il est malade, lui. Faut qu'il aille se soigner. Des fois, tu regardes 90 minutes enquête ou enquête d'action. Tu sais, avec les gendarmes ou la police de Nice ou la police de Lille, tu vois. Souvent, il flash un rebeu en C63 à 210 km/h. Ils aiment dire quoi? Alors, Karim risque 9 mois de prison et 75 000 euros d'amende. Là, palmade, cocaïne, récidiviste, pas d'assurance, il a tué un bébé, 3 personnes à son cassé en réanimation, il risque rien, il est chez lui, tranquille, le ref, il est chez lui.